Salut à tous, ici Joe, de retour sur le serveur Avicus, Avicus si vous préférez, pour une nouvelle partie, enfin deux nouvelles parties sur les maps de Nebula. Alors, hop, voyons voir où vais-je aller aujourd'hui. Ouh, Senex 2, mais il n'y a personne, et là c'est full. C'est bizarre d'ailleurs, tiens. Là, il y a un Senex de foule et tous ceux qui aimeraient y jouer, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, ne vont même pas dans celui qui est vide. Enfin bon. Actrix encore, qui est foule d'ailleurs cette fois-ci. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Fissura, sur laquelle j'étais allé la dernière fois. Serveur offline, oui, c'est très très bien. Et Crusade. Voyons voir, où vais-je aller? Oh, Senex 2, tiens, ça s'est libéré. Pourquoi pas? Est-ce que je peux... Eh ben non, c'est devenu full entre-temps, le temps que je clique. Dommage. C'est une très très bonne map. Senex 2. Même Senex d'ailleurs. Hein, ça aussi, c'était vieille map, comme Rendez-vous par exemple. C'est vraiment des vieilles maps, mais vraiment, vraiment, vraiment très 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 sympa. Bon, bah, je pense que je vais aller sur Crusade. Ouais, je vais aller sur Crusade. Allez, hop, c'est parti, Crusade. En tout cas, c'est bien parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont tous réunis au même endroit, d'accord. Hop. Alors, Crusade. Comme vous voyez à droite, ben, il y a un monument à casser qui se situe au centre. Et puis voilà, bon, on le découvrira ensemble. Alors voilà le monument en fait. C'est vraiment une boule de glowstone. Vous verrez, c'est assez, assez particulier. Bon, là on s'est fait défoncer, il y a plein de mecs en fer et de mecs en diams, c'est un petit peu chaud. Je vais juste récupérer une petite armure en fer, rapidement. Hop, c'est bon, j'ai récupéré un autre bloc. D'ailleurs, tout de suite avant que j'oublie. Tac. Voilà, j'ai mis un tout petit timer, enfin un tout petit timer, 25 minutes comme d'hab. Hop, l'étape de craft. C'est vrai qu'on n'a pas de bois, il faut aller en récupérer. Moi j'ai toujours fait comme ça sur cette map. En même temps j'ai peu joué sur cette map. Crusade. Hop, voilà. Je vais la mettre en évidence, cette table de craft, une fois que je l'aurai craftée. Hop. On va venir par là et on va la placer quelque part par ici. Espérant que personne ne nous la vole. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, comme pour le dernier épisode, sauf que là ça dure encore moins longtemps. Une partie rapide hein, dès le départ, dans le sens où l'équipe a perdu rapidement après que j'ai join, mais bon, c'est pas grave. Donc, ben, la prochaine map, ben, le serveur redémarre, ben, c'est ok, d'accord. Donc, un gros fail pour le début d'épisode. Je déteste ça, mais bon, c'est pas moi qui décide. J'ai pas envie de couper ça au montage parce que ben, j'ai pas envie de tout retourner, notamment l'intro foireuse que j'ai faite au début. Hein, voilà. Non, bon. Alors, Actrix, c'est peut-être là que j'aurais dû aller. Tiens, ça va peut-être porter chance. Voyons voir. Bon, Senex 2, il y a toujours personne ici, je capte pas, mais bon, c'est pas grave. Fissure, alors, tiens, comme le serveur va redémarrer, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir comme map. Voilà, serveur offline, et normalement il va redémarrer. Pas comme le M-Season 01 qui apparemment était connecté de l'infrastructure serveur ou qui a juste des problèmes. Ah bah tiens, Senex 2, parfait. Alors j'y vais direct, parce que je suppose que plein de joueurs vont y aller. Et ouais, nickel, il y a des joueurs qui join. Alors, deux équipes, l'équipe des Phoenix et l'équipe des Haribo. En fait, Phoenix et Haribo, ce sont deux admins, il me semble, ou deux modos du serve. Et donc là, cette map le rend un petit peu hommage via les équipes, puisqu'il y a l'équipe Phoenix, les oranges, et l'équipe Haribo, les gris. Donc, comme vous le voyez, il y a deux monuments à l'arrière, voilà, et il y a du fer en haut et de l'or en bas pour se faire des armures. Donc, au début, il faut pas tomber, il faut vraiment aller récupérer le fer. Ouais, faut pas tomber dans les trous qu'il y a sur le toit parce qu'il y a des trous au centre. Là ici, hop. Par contre maintenant on tombe, on vient se planquer pas ici, plutôt en retrait. Ouais, je vais aller là, tiens. Je vais me faire une petite table de craft, me crafter ma petite armure en fer, une petite hache en fer, ça peut être pratique, mais en même temps c'est le début de la partie, donc ça sert pas à grand chose pour l'instant. Mais bon, faudra y penser pour plus tard. Une hache en or, remarque après. Puis de toute façon après on y aura plus suffisamment de fer pour tout le monde. Il n'y aura plus de fer du tout, puisque tout le monde sera mort avec les armures en fer, justement. Donc, on se fait l'armure, voilà, de manière classique, avec moi, hop, le pattern. Et je vais me faire une hache en or, comme je l'ai dit, ça peut être pratique. En tout cas, personnellement, sur cette map, je sais que j'aime bien pour casser ce que les autres joueurs mettent.
Hop, j'enlève le vert parce que je m'en fous, je préfère avoir des blocs pleins directement dans l'inventaire et j'ai mes pommes en or juste à côté, c'est parfait. Ok, donc il y a déjà un pont qui a été fait par là-bas. Il n'y en a pas qui ont été faits par ici. Ah, si. Si, ça commence à être fait. Ok, donc là-bas j'ai un mec qui essaye de me snipe. Pareil pour le mec qui est en bas. Dommage, s'il m'avait pas touché, j'aurais pu buter son camarade. Ok, ça lui tire d'au-dessus. Ok, là il y a un mec qui. Ok, il y a deux mecs qui ont failli. Enfin, un mec qui a failli se fail en suivant un mec qui s'est fail. Voilà, lui il est mort, ça va temporiser un petit peu le temps qu'il respawn. Donc ils se font pas d'armure en face, apparemment. Étrange. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Donc là aussi, l'astuce est de creuser en dessous et d'après faire un petit underbridge pour rejoindre l'un des deux monuments, suivant le côté là où on a creusé, évidemment. Donc là, par contre, ça commence à puer un petit peu par ici. Ok, donc là j'ai un mec qui me focus, alors qu'il est en très mauvaise posture. Voilà, quand t'es sur un skybridge comme ça de 1 de large, faut jamais focus un mec qui a une armure full fer. Je sais que t'es avec moi, arrête de te retourner. Je sais pas si vous avez vu, le mec qui était là, il s'est retourné en me donnant des coups d'épée pour me dire je suis avec toi. Donc c'est très bien de sa part, mais je le savais. D'ailleurs, je le visais pas, mais bon. Ça s'en est peut-être pas rendu compte. Voilà, donc là je snipe un petit peu, je leur fais des dégâts, c'est tout ce qui compte. Ok, là il s'est rendu compte qu'il y avait un mec en armure qui snipait, voilà, il s'est fait défoncer. Donc là le mec en fer, évidemment, ben, il défonce très facilement les autres joueurs. Ok, lui il est pas tombé. Sérieusement, ils vont pas le. Oh, sérieusement, ils ont pas tué Kiwi. Et moi je creuse même pas où il faut. Hop, voilà. Ok, donc apparemment ça rush pas trop vers chez nous. Là, le pont est toujours pas fini donc personne n'a pu venir théoriquement. Hop. Wow, le mec en back, what the fuck? Comment est-ce qu'il a pu snipe de côté comme ça tranquillement? Ok, bon, c'était prévisible. J'avais pas vu qu'il y avait autant d'oranges. Pour moi, il y avait plutôt des gris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, évidemment, il n'y a plus de fer en haut, faut pas espérer. Dans ce cas-là, faut juste se faire une petite armure en or. C'est toujours mieux que rien. Hop, j'ai 4 de fer sur moi. Je vais me faire des bottes. Ouais, ce sera toujours ça de pris. Donc ensuite, j'enlève ça, je transforme ça, je transforme ça, je me fais mon armure complète sauf les bottes. Donc, hop, voilà le petit plastron. Et ce sera bon. Je vais faire un coffre aussi pour pouvoir ranger l'or en rab. C'est toujours sympa. Voilà. Comme ça évite aux autres joueurs de devoir miner s'il y a déjà de l'or dans le coffre. Et ça permet de stocker. Ah, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Oh putain, on peut pas construire à côté du spawn. T'es sérieux? Il y a un mec qui est passé, hein, il me semble. Je sais pas s'ils l'ont vu. Si quelqu'un l'a eu, il y a un mec qui est passé. Ok, non, c'est un défenseur là-bas, d'accord. Il a fait un pont qu'il a cassé derrière lui pour éviter qu'on le prenne. Là, j'ai vu un mec tomber, je sais pas dans quelle équipe. J'ai vu un mec tomber ici, c'est pas très très clair cette histoire là non plus. Je sais pas, bon, je suis un petit peu parano comme à chaque fois. Mais là, il m'a semblé voir un joueur de l'équipe adverse. En plus, le coup d'avoir deux verres empilés comme ça peut toujours vouloir dire qu'un mec a essayé de reboucher à la va-vite, donc il a trop rebouché. Donc, bon, enfin bon, apparemment, il n'y a personne. Donc, on va pas se soucier de ça, on va rusher, vous en faites pas. Hop, voilà, on passe par ici. Hop, on referme par là. Et on va creuser tranquillement. Là, de toute façon, c'est pas très très long. La map est vraiment courte comparée à Rendez-vous, par exemple. Ok, il y a un mec, il y a un phénix qui passait de l'autre côté, qui passait dans notre base. Hop, je rebouche juste ici, voilà, au cas où. Une petite pomme en or pour les cœurs d'absorption, parce que je peux très bien tomber sur un adversaire, donc faut faire attention à ça. Faut mieux éviter de crever.
remarqué, là il y a eu un très 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 beau chemin qui a été fait. Donc là évidemment c'est l'extérieur, ok. C'est un petit peu dommage d'avoir contourné par l'autre côté, alors qu'il aurait suffi de faire comme ça, voilà. Alors j'ai pas d'espace vide dans ma hotbar, ce qui me permet pas de récupérer la sandstone dans ma hotbar, justement c'est une petite erreur, j'aurais dû enlever le verre. C'est vrai, il faut penser à ça sur cette map, parce qu'évidemment quand on bouge avec de la sandstone, bah, c'est beaucoup moins visible qu'avec du bois, parce qu'il n'y a pas de bois en dessous de la map. Ok, donc le mec est passé, apparemment a réussi à péter notre monument à droite, donc on n'a pas de défense, donc ça pue vraiment cette histoire. C'est très 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 dommage, parce qu'à chaque fois j'essaye de montrer l'astuce typique de la map, pour vraiment essayer de casser les monuments adverses, et je peux pas le faire parce que on se fait défoncer avant. Donc là voilà, là je suis au bord, je vais juste descendre, voilà, la bedrock. On va se mettre bien droit face au monument. Et là c'est bon normalement. Pas tout à fait, je suis pas totalement droit, mais bon c'est pas grave. Allez, donc là je fais mon petit underbridge avec du vert pour que ce soit moins spotted. J'espère juste que je vais pas me faire shoot. Donc apparemment on a cassé le monument à droite, donc là, là c'est le gauche vers lequel je rush. Évidemment je me suis fait shoot. Dommage, j'étais presque arrivé. J'étais presque arrivé, donc je vais me refaire une armure vite fait, toujours se faire une armure sur cette map. Elle est tellement petite que ça vaut pas le coup d'essayer de rush sans armure. J'entends quelqu'un qui creuse. Oh oh oh, ça c'est pas bon du tout ça. Ça je savais que c'était pas bon. Donc je rebouche avec des bûches. Ok, alors là on va tout reboucher. Hop. Donc je sprint en sautant. Voilà, je fais du bunny hopping en souterrain. Et ben c'est nickel, on a gagné, d'accord, on a gagné. Bon, juste au moment où j'essayais d'empêcher les personnes de passer, on gagne, c'est pas grave, en tout cas c'est très bien, on a gagné. Alors oui, la boussole ne marche toujours pas correctement sur The Serve, ça n'a jamais bien marché de toute façon. Donc, ben GG, hein, tout simplement, les Haribo ont gagné, donc c'est bien joué. Par où est-ce qu'il est passé? Ben, il a dû passer, ben voilà, il est passé par ici, puis par là-bas. Puisqu'on avait déjà cassé le droit, donc c'est celui-là normalement. Parce qu'il me semble que gauche et droite, c'est pour l'équipe adverse, dans le sens où l'équipe adverse regarde. Comme notre base est dans ce sens, qui regarde vers là-bas, c'est gauche et droite. Normalement, il me semble que c'est ça. Voilà. Dust Devils. Dust Devils. Ce nom me dit quelque chose. Auto-join. Oh la vache, ça en fait c'est la première map sur laquelle j'ai joué sur M-Season. Dust Devils. Donc alors là, c'est un petit peu particulier. Je suis dans quelle équipe? Ouais, nickel, je suis dans la bonne équipe. Donc un petit coup de F3 et de F2. Ouais. Donc regardez un petit peu où se trouve le bloc à casser au-dessus de mare de feu, j'ai envie de dire. Je trouve ça classe quand on dit ça comme ça. Donc au-dessus de feu. Netherrack en feu dans une zone assez ouverte puisque évidemment il y a un toit assez haut. Enfin voilà, c'est un petit peu chaud de passer. Donc l'astuce tout simplement c'est de faire comme je fais, c'est de passer par le côté comme ça. Merde, je suis spoté par un mec par ici. Hop, donc vous passez par là, vous montez avec des blocs comme ça à la hussarde tranquillement. Donc là il a essayé de me shoot. Hop, il n'a pas réussi. Ok, là il a réussi. Normalement il aurait pas dû pouvoir, puisque j'étais en train justement de poser des blocs et de sauter. Voilà, donc là je pose des blocs un petit peu à l'arrache, ça détruit un petit peu la forme de la source d'eau, ce qui est pas plus mal. Ok, donc là vous grimpez par ici et après vous marchez tout simplement sur la montagne et vous rejoignez la zone en creusant. Voilà, là aussi c'est la what the fuck, putain, mais the trail. C'est le mec qui a pété notre monument tout à l'heure. Et là, il vient de recommencer, d'accord. Donc à chaque fois, je vais vous donner une explication. En fait, il y a The Trail qui vient, qui me dit non, 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 t'as plus le temps, j'ai déjà gagné. Ok. Donc en fait, on n'avait aucune défense. Je pense que le mec a tout simplement rushé tout droit. Il s'était planqué derrière les dunes et après, il est venu quand il n'y avait plus personne.
Je pense que c'est voilà, là il n'y a pas de bloc de posé, il n'y a rien, enfin. Ok, ça a vraiment été très 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 rapide. D'accord. Bon, très 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 dommage, ça fait très longtemps que j'avais pas joué sur cette map, j'aurais bien aimé la faire en vidéo. 1 minute 30, c'est vraiment 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 trop 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 court. Bon. Ben tant pis, j'ai toujours pas de chance sur Nebula. Pas en vidéo en tout cas. Donc Venomous. Alors Venomous. À une époque, ça c'était une map de TDM. Puis c'est aussi du Team Deathmatch sur Nebula. En fait, on avait des épées et des arcs qui one-shotaient absolument tout. Le problème, c'est qu'en fait, des personnes venaient ici, faisaient du spawn kill en frappant par là, la terrière. Et donc, ça fait que c'était impossible de reprendre la main une fois que tu avais 3 personnes de l'équipe adverse qui faisaient du spawn kill comme ça. Donc, à la place, ils l'ont transformé en map de type Destroy the Monument. Et donc, il y a 3 îles avec un monument sur chaque île. Donc, un là et un là. Voilà. Chacun prisonnier de la souche des arbres. Donc là, il y a un mec qui passe et qui réussit, hein. Là, il est un petit peu mort, voilà. Je pense qu'il y a un autre verre évidemment de l'autre côté. Bon, les verres sont violents, hein. Voilà, The Trail est mort. Ok, moi je suis mort aussi. Qu'est-ce qu'ils font les siens? Ils ont pas vu qu'il y avait un verre là? Ah oui, lui c'est bon, il a vu. En train de le poursuivre. Là ici il faut pas s'embêter à essayer de contourner par le bas, hein. Faut au contraire passer par au-dessus. Putain mais hé. Comment est-ce qu'il a pu me frapper comme ça? J'ai l'impression de prendre 4 coups d'un coup. Assez violent les vers. Ok d'accord, donc là j'ai eu un petit rollback qui m'a repositionné et donc ça fait que j'ai avancé dans le vide. Je sais pas si ça s'est vu, j'étais un petit peu TP en diagonale, enfin bon bref c'est pas grave. Pas sans souci plus que ça. Donc on va vraiment essayer de rush, mais vu l'équipe adverse, ça promet d'être un petit peu chaud. Hein. Voilà, je garantis vraiment rien, comme d'habitude. Mais là, c'est encore pire. Voilà, donc là, ma position a été recalculée, évidemment. Donc c'est formidable, ma position a été recalculée. Pile quand le verre. Je m'arrête, ma position est recalculée, je me fais TP en arrière, donc rollback, hein, tout simplement. Et le mec qui me suivait depuis tout à l'heure, voilà, est venu, il m'a buté. Donc là, il y a Kulek, Kulek machin qui a pas essayé de venir me buter. Alors lui, par contre, ça pue un petit peu la Killora, mais je pense que c'est juste du gros gros lag bien méchant. Allez. Alors là, ça commence à laguer sévère. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Putain, mais hey, regardez comment est-ce qu'il frappe, quoi. Tellement qu'il lag. Il est pas mort. What? Mais what the fuck? Ok, là je pense qu'il s'est fait défoncer par contre. Ok, bon. Des équipes coriaces. Une équipe très 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 coriace en face. Donc là je pense qu'un verre va contourner. Non, c'est bon. En fait, ils essayaient juste de faire une barricade. Évidemment, t'as raison, frappe-moi. Donc là, il n'y a pas d'armure à se faire sur cette map parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. Putain. Ça, la petite flèche bien 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 cadrée. Hop, on continue. Non, faut pas que je pose le steak par terre, ça va pas le faire. C'est dommage, tiens, qu'on puisse pas marcher sur les steaks. Donc là, personne ne m'a vu, il me semble. Oh, ils sont en train de passer par en dessous. Ok, ils sont en train de passer par en dessous tranquillement. Alors évidemment, il y en a déjà un qui a détruit notre monument au milieu, hein, forcément. Hop, tiens, regardez qui est là, c'est The Trail. Voilà, lui il est mort. Donc là, il y a The Trail qui est passé quelque part. Donc apparemment, il joue en team vocal, hein, c'est pas possible. Parce que c'est toujours les trois mecs qui sont ensemble, qui passent au même endroit. Donc là, il y a The Trail qui était là, qui est revenu de l'île apparemment. Parce qu'il a vu qu'il y avait un mec qui avait déjà cassé le monument. Et un mec au milieu qui a réussi à pratiquement atteindre l'autre île. Ok, là on a un cyan glandu qui commence à faire un pont vers notre dernier monument. Voilà. Hop, je savais qu'il y en avait un ici qui campait. Putain, mais hé. Hey. Ok, voilà, c'est toujours colérique. Colérique, c'est. Ça reprend colérique, mais avec cool. C'est cool.
Non, mais viens pas là, glandu. Il vient, il se déstipate. Ok, donc là il est planqué ici, The Trail. What? Ok, où est-ce qu'il est passé? Ok, là j'ai pas compris, il y a un joueur qui a disparu. Ah. Non, c'est par là où moi j'avais creusé. Bon, tant pis. Vraiment, c'est du gros porte-nawak cette partie. Je suis désolé. Quand j'ai dit glandu au mec, c'est parce que je pensais qu'il allait venir alors qu'il n'y avait qu'un d'espace. Donc je me suis dit merde, il va venir dans ma hitbox, on va plus rien pouvoir faire. En plus, il n'y a pas de se désniquer, donc ses clubs vont nous sauter dessus. En fait, non. Alors, The Trail lag, hein, par contre. Putain, évidemment, ils sont deux. Ils sont deux et personne ne les a vus. Non, c'est mort, hein, c'est mort. Là, c'est mort. Personne ne les a chopés. Ils sont deux, donc c'est trop tard. Là, ils l'ont cassé et on est mort. Plus de trail lag, il se TP un petit peu à chaque fois, donc là c'est vraiment mort, archi mort. J'ai pas le temps d'écrire dans le chat, puisque le temps que j'écrive, ce sera déjà mort. Ok. Ok, c'était juste. C'était juste. Par contre, faut casser ça. Il faut que le mec reste campé là ici. J'espère qu'il va le faire. Ok, là on a Glandu qui vient refaire le pont, hein. Voilà, donc ça par contre, vraiment, mais barre-toi, d'accord, il pose des blocs invisibles. Ok, d'accord, donc là j'ai pas pu le frapper, à cause du lag. Optus Mousse. Étrange, en fait il a refait le pont, mais non, il n'y a pas de pont. Donc là c'est mort là, il y a deux campeurs ici qui nous shootent à l'arc et il y a leurs potes qui viennent refaire le pont. Moi je vois pas de bloc en fait là, ici. Je vois pas de bloc. F3 plus ça. Non il n'y a pas de bloc. Je comprends pas. Comment est-ce qu'ils espéraient passer? Je pense que juste pour le là, je mettrai cet épisode dans les ETFID. Alors vraiment, ça part dans tous les sens. Les adversaires font des trucs totalement incompréhensibles. D'accord, donc là par exemple, The Trail. Vous avez vu avec le petit coup de lag de rien du tout, impossible de voir où est-ce qu'il va atterrir, où est-ce qu'il va frapper. Et il arrive à t'éjecter. Donc bon. Voilà. Hop. Alors, il ne reste plus que le left nous à casser, donc il faut qu'on aille à fond à gauche. Le problème c'est qu'il passe tous par là pour essayer de casser notre droit, puis évidemment c'est inversé. Tiens, Optus Mousse qui passe par l'autre côté. Normalement là il sait pas que je le suis. Hop, voilà, il savait pas que je le suivais. C'est bon, je l'ai eu, je suis avec vous. Oh putain, il repasse en haut. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Si on défend pas là, c'est mort. Le problème, c'est qu'on a personne qui rush non plus, donc c'est mort aussi. Je crois qu'ils sont au moins deux là ici. Ok, c'est bon, il y a un mec qui m'a suivi. Alors, génial. Lui, c'est un héros. Voilà, Volt Drive. Il a fait son job. Très, 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 très bien joué de sa part. Voilà, donc là maintenant, je casse ça ici. Alors apparemment il voyait, voilà, bon il va rester là. J'ai pas atterri au bon endroit mais c'est pas grave, je suis pas mort. Mais t'es sérieux? Le mec il vient me donner une flèche à moi quoi. Il vient me mettre une flèche à moi. Il y avait un bleu qui fonçait vers lui. Il allait le buter. Et non, il pense juste à me buter moi. Alors j'étais déjà affaibli. Putain mais hé. Tiens, Island. Là aussi, ça sent un petit peu la vengeance. Alors là, les bleus, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils campent à l'arc, ils n'ont pas à y aller au corps à corps, alors que
pourtant c'est largement faisable. Ok, donc là voilà Optusmus qui vous éjecte à perpète. C'est toujours Optusmus et The Trail qui vous éjecte loin comme ça. J'ai pas remarqué ça chez d'autres joueurs. Étrange. Ok, donc là je crois que c'est bon quand même. Là je pense que c'est bon. Ils sont tous morts pour l'instant. Bon là ils vont revenir, ils sont déjà là en fait, je pense. Ok, il y a déjà un mec. Et ben voilà, en fait il y avait un mec qui s'était planqué, qui avait réussi à passer. Voilà, c'est lui. Ici, 737 pilote. Bon. Bon. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 15, donc vous savez quoi, je vais mettre fin à l'épisode ici. Parce que c'est juste, mais alors catastrophique, les joueurs qui nous rush, la défense qui défend pas. Donc vraiment, ETFID pour cet épisode. Voilà, épisode totalement foiré et inapte à la diffusion, je rappelle ce que veut dire ETFID. Donc c'est des épisodes qui se déroulent pas du tout comme prévu, ou sur lesquels j'ai pu avoir des petits problèmes techniques. Mais là, c'est pas le cas. Donc vraiment c'est des épisodes que je laisse à la diffusion juste pour en rire, hein, voilà on sait jamais. Par ça je me revois pas refaire un épisode avec les mêmes joueurs pratiquement puisque je pense pas qu'il y ait d'autres parties où il y ait pas mal de joueurs ou enfin là déjà tous les panneaux sont vides excepté Quintus, qui est une bonne map, Quintus d'ailleurs aussi, il faudra peut-être y aller un jour en espérant qu'elle y soit. Là il y a CNX2 qui s'est libéré mais il n'y a qu'un slot, donc le temps que j'y aille, il va être revenu, enfin bon, vous m'avez compris. Donc, ETFID pour cet épisode, la troisième vidéo que je place dans les ETFID, pour son manque de consistance tout simplement dans cet épisode. Donc bon. Voilà, ben sur ce, avec ces explications totalement foireuses, donc vraiment cet épisode mérite vraiment son attribut de TFID. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode plus organisé. On fera peut-être du Nexus la prochaine fois. J'ai vraiment envie de vous montrer Nexus. En fait, Nexus c'est juste du Team Deathmatch sur des maps assez petites. Enfin, comment expliquer? C'est pas des maps tellement petites, mais c'est des maps où il y a de la stratégie, mais elles sont pas très très longues, donc on peut pas trop. Enfin, bon, ça dépend des maps, mais en général c'est des maps assez moyenne niveau taille. Mais vraiment vraiment sympa pour, parce qu'il y a des points stratégiques à récupérer pour vraiment camper, d'autres points pour d'autres chemins où il faut essayer de rusher, enfin bon c'est vraiment un mode de jeu Team Deathmatch très 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 sympa Nexus, donc n'hésitez pas à y aller d'ici la diffusion du prochain épisode de la séance PvP Freestyle. En tout cas la prochaine fois je pense qu'on fera du Nexus pour changer un petit peu de Nebula. Et après peut-être que je retournerai sous Nebula une dernière fois avant d'aller voir sur un autre serveur, je ne sais pas. Je verrai bien, c'est suivant mes goûts, mes envies. Donc voilà. Vous verrez bien pour la prochaine fois. Hop. Donc sur ce, un petit coup de F5 et de F1. Merci à vous d'avoir regardé quand même cet épisode qui fait partie des ETFID, les épisodes totalement foirés et inaptes à la diffusion. Mais que je diffuse quand même pour le LOLS, pour montrer tout simplement que ben, je fais de la merde. Voilà, oui, je suis l'un des rares youtubeurs qui est content de faire des trucs aussi pourris que ça. Donc m'en veuillez pas, hein, chacun sa nature. Donc voilà. Merci encore à vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez l'audace de mettre un j'aime sur cette vidéo pourrie. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Voilà. Sur Nexus. Allez. À plus.